Salut tout le monde. Jeudi, c'est la deuxième sortie émission actuellement. C'est une émission qui est diffusée sur Gababdi, sur Média Kirlé et Léo Gatseno. Eh bien, jeudi, nous avons un sujet, c'est-à-dire que chaque semaine, nous avons un nouveau sujet. Le sujet de jeudi, c'est en français, c'est les États-Unis resteront-ils le leader de la mondialisation? C'est-à-dire en créole, est-ce que les États-Unis ont prêté dans le jour qu'a venu le leader de mondialisation ça? Eh bien, nous connaissons par le passé, c'est-à-dire après l'Union soviétique, nous sommes tombés dans un monde qui est unipolaire. Et de parler de ça déjà, semaine dernière là. Eh bien, monde unipolaire là, c'est-à-dire que mondialisation des États-Unis, grande puissance, même capable de pays, un gros pays dans le monde occidental, là, dérivé mettre en place là, en bien mondialisation ça, et licencié venir gagner accès avec marché pays de l'Est, parce que nous sommes chuté, et nous capable de dire tout, Vincent, c'est pas un conflit idéologique encore entre l'Est avec l'Ouest, et bien, multinationales américaines viennent censé gagner accès à l'espace ça, ou bien marché ça. Et bien, qu'on y a là, mais bien avant que nous continuions, nous avons juste parlé de mondialisation. Qui s'allie? Eh bien, il y a plusieurs qui essaient de définir mondialisation. Tant que vous François Outard, qui dit que mondialisation, c'est évolution de marché. C'est comment le marché a évolué, comment il change. C'est-à-dire, on parle de marché, où est-ce qu'on rapport social qui vient entre des acteurs économiques. C'est ça qui est capable de dire, c'est ça où le marché. Mais mondialisation, c'est l'évolution du marché, c'est la mondialisation. Eh bien, mondialisation, c'est un bagage qui est nouveau. C'est un bagage qui est capable de dire, c'est pas hier qu'il parle. C'est un bagage qui est là depuis très longtemps. Même si il y a des auteurs qui disent que mondialisation, il y a mondialisation, il y a des références internationalisation. Mais pour dire mondialisation, internationalisation, c'est toujours le même bagage là. Donc, on va dire que c'est le rapport commercial qui existait entre différentes régions du monde. C'est ça, donc on va dire que mondialisation. Mais mondialisation, ça, l'échange de forme, on va dire, de l'époque époque à l'autre. C'est-à-dire que on a vu une autre forme de mondialisation, je dis là. Eh bien, mondialisation, on a, on va dire, dans ce type de mondialisation, je dis là, c'est mondialisation, ça, c'est pas l'autre pays qui mettait, qui contribuait, qui mettait en place, c'est États-Unis. C'est-à-dire que par le passé, c'était une autre forme de mondialisation. Mais ça, on a vu aujourd'hui, là, c'est États-Unis qui contribuait à mettre en place. Eh bien, mondialisation, ça, il s'en s'est mettre en place, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons dit, toute base mondialisation, ça, c'est censé jeter. Et nous dit, toute base était censée jeter, c'est-à-dire que États-Unis étaient dans un ensemble de multinationales, déjà bien avant. Bien avant que DGD mondialisation, base mondialisation ça. En bien, mondialisation ça, sur ça repose. Il repose sur un ensemble de multinationales. En bien, multinationales ça, c'est pas surtout toutes multinationales, pas surtout qui ont existé après ce guerre mondiale, mais des guerres ont existé bien avant. Par exemple, vous gagnez des séries de compagnies pétrolières comme ExxonMobil. Quel que soit déjà le nom, mais des guerres ont existé avant ça. Et on est capable de dire entreprise ça, des séries de gros entreprises. Mais mondialisation, qui s'allie tout? En deux mondialisation, c'est que tout le bagage est tourné marchandise. C'est ça qu'on va parler, on va parler de mondialisation de l'économie. Et là, on y a là, c'est nous, notre capitalisme qui va évoluer. Côté tout le bagage, c'est marchandise. Même et ça, on va dire, objet culturel, il y a des marchandises. Même santé vient entrer dans ça que tu vas dire, qui est les marchandises. Eh bien, base mondialisation qui s'allie, c'est progrès spectaculaire qui fait dans le domaine de transport communication. Si nous parlons dans le domaine de transport communication, on avait dit que moi, les transports viennent changer, il y a un problème qui fait un avion, c'est-à-dire que les marchandises vont circuler des pyramides. Et plutôt, on va dire que dans ce qui est avec nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout le ça va venir très en vogue. Les technologies de l'information et de la communication, si je veux dire, on parle de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le bagage encore qui est extrêmement important dans la mondialisation, c'est ça où le capital. Le capital, là, c'est les ressources ou bien c'est patrimoine d'un pays, c'est richesse pays. Et bien, qui ça qui fait pays ça où il y a tout le patrimoine ça? Un pays comme les États-Unis. C'est surtout, c'est parce que il y a des multinationales qui appuient partout dans le monde. Là, tu vois, regarde les multinationales de Apple. Donc, on est en pile, on utilise le téléphone qui est iPhone.
Eh bien, l'autre garde une partie de poids. Entreprise ça qui pesait plus passer, une partie sur entreprise qui pesait plus passer 1000 milliards de dollars. Ça, ouais, ça, et si on dit 1000 milliards de dollars, c'est une entreprise américaine. Et c'est-à-dire que les gens, ils ont pile importance, on va dire, ils ont importance capitale, même dans l'économie américaine, dans la puissance américaine. Et puis l'autre bagarre encore, c'est supériorité militaire des États-Unis. Bon, si vous dites supériorité militaire des États-Unis, c'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'on dit de supériorité militaire. Il y a supériorité militaire là, c'est surtout parce qu'il y a l'argent. C'est parce qu'il y a multinationales et tout, qui a drainé toute richesse pour le pays net dans la planète là, et puis tout vient pour des aux États-Unis. C'est pas sans raison, les États-Unis viennent en PIB qui dépassait les 10 000 milliards de dollars. Non, c'est pas sans raison tout, voilà, pour les dépenses militaires qui dépassait les 700 000 milliards de dollars là, ça veut dire, et ça va représenter même 10% d'un pays des États-Unis. C'est pas à cause des 10% d'un pays des États-Unis, même si vous avez un pays qui a dit bon, vous avez l'argent à faire tout devant ça, non, mais pour l'instant, c'est un petit casse bagage, c'est parce qu'il est super riche. Et puis, l'autre part encore, mondialisation en lui-même, il favorise sa ingérence, c'est-à-dire que le pays qui a fait bouger dans les affaires de pays. Et bien, si nous dit qu'il favorise l'ingérence, ça veut dire. Et pays ça, pays côté, pays côté multinational ça sorti. En même pays ça, toujours une tendance à défendre l'intérêt multinational. Ça veut dire pays ça, pays dans les États-Unis, ou que les instrumentaliser ensemble d'organisations internationales, dans les Nations Unies, c'est parce que non seulement les super riches, c'est même mondialisation. Il contribue, il grandement contribue à mettre et mondialisation, ça, forme de mondialisation ça, en place, et bien, c'est ça qu'elle doit ingérer, on doit dire, qu'elle doit faire des ingérences dans l'affaire de l'autre pays. Mais toute ingérence, même si elle a utilisé des concepts pour le droit de l'homme, pas peut-être qu'on dit, tout pays a aussi intérêt qui a défendu. Ce n'est pas une question de droit de l'homme, mais c'est une question d'intérêt. C'est créer, c'est. Si que un régime dans le pays pas comme si a fait des traités avec les États-Unis, eh bien, c'est-à-dire que nous avons dit ou empêcher les États-Unis d'avoir accès avec marché. Là. Et puis, mondialisation tout les capacités qu'on base tout, ou une capacité de reposer tout sur culture et de reposer sur l'idéologie. C'est-à-dire que mondialisation, ça c'est pour créer une bourgeoisie et mondiale. On parle de bourgeoisie mondiale, c'est-à-dire que l'opération c'est de propriétaire, c'est de ou entreprise. Tu as regardé Bill Gates qui est dans la tête Microsoft, mais tout le monde voit Bill Gates c'est un philanthrope. Mais faut nous pas détromper nous. C'est parce que Bill Gates il amasse une quantité d'argent qui est exorbitant. On va dire que Bill Gates est super riche. On va dire tout, mais pas même on va pas même capable juger même 90% dans tout ça qu'il possède. Mais à cause qu'il y a un pile d'argent. Pour que les gens puissent montrer mon côté de lui-même, pour moi, pour comme si attirer l'opinion publique mondiale là, ou une carte internationale vers lui-même, pour moi, pour jouer un rôle de soupape en façon pour continuer à tolérer dans la société dans le monde, eh bien, ça le fait, l'affaire philanthropie. Mais philanthropie, c'est ça qui est capable de l'œil, c'est-à-dire son façon pour capable de tomber le monde, pour faire le monde comprendre que. Et ils sont des gens qui ont envie l'humanité, la qualité, qui respectent la dignité humaine. Mais de fait, ce n'est pas ça qui est livré, mais son façon pour l'acheter. Bon, on a juste pour une courte pause, après on va retourner avec le reste de l'émission.
Bon, nous retournons avec vous là. Maintenant, nous parlons d'un aspect extrêmement important dans la mondialisation. C'est-à-dire dans la mondialisation que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, dans la mondialisation aujourd'hui, nous gagnons un pays qui est censé, on va dire, qui monte. Mais il faut nous connaître tout. C'est le pays qui a pas décrété de monter pour qu'on puisse seul. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui contribue à monter le pays. Pas qu'on est si conscient ou bien si inconscient de ça. Eh bien, mondialisation, ça que les États-Unis sont censés mettre en place, mais quand il y a forme de mondialisation, ça, je dis là, eh bien, ils sont censés bouleverser par un pays que un pays haïtien ou bien un pays dans le monde a débattu de lui. Je dis là, c'est la Chine populaire. Eh bien, la Chine populaire est une deuxième puissance économique mondiale. Et on même considère tout comme un atelier mondial. C'est-à-dire que un pays pour manufacturer, c'est la Chine qui est fait. Donc, téléphone à utiliser, radio, télévision, etc. Eh bien, monter la Chine, on est capable de dire, les surtout, américains, surtout accélérés, on est capable de dire, occidentaux, c'est-à-dire notre pays en Occident, les États-Unis, l'Allemagne, la France, etc. On est capable de dire, pays détenteurs de capitaux, ils ont accéléré la mondialisation, hein, c'est surtout à cause de loi bas salaire. Nous n'avons pas de loi bas salaire, nous avons délocalisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une entreprise américaine, on n'a pas qu'une multinationale, pour qu'ils puissent faire beaucoup plus de bénéfices. Eh bien, ils ont choisi de délocaliser. Ça veut dire, la CAIPAO, ils ont jugé que main-d'œuvre là, même s'ils sont main-d'œuvre qualifiés, mais main-d'œuvre là trop cher, si vous allez en Asie, comme la Chine, Corée du Sud, et Taïwan, un pays ça, main-d'œuvre là, à plus bon marché. Mais main-d'œuvre ça, tout est qualifié. Bien, ils ont décidé de délocaliser et puis aller et dans le pays Sahel, en Asie. Mais délocalisation, il surtout commencé avec le secteur textile. Ça veut dire fédéral, c'est dans le secteur ça qui commence. Et bien, il vient toucher le secteur, comme on dit, technologie, avec la fabrication, téléphone, etc. Mais le plus gros bénéficiaire de délocalisation, ça, ça maintenant, c'est la Chine. Mais il faut que tout les autorités chinoises soient comme ça d'affaires de nous. Plan de développement, des bons projets. Eh bien, vraiment, jusqu'à maintenant, des bons projets pour industrialiser le pays. Il y a des bons projets pour les pays qui sont atteignés maintenant. Vraiment, ils ont réussi dans ce sens. Eh bien, qu'on y a là, et non seulement la Chine ici, même si à l'époque, c'était les États-Unis qui étaient gagnés gros multinationales, eh bien, qu'on y a la Chine tout vient gagner multinational. L'émergence multinationale chinoise, ils ont vient contrebalancer, ils ont un rôle de contrepoids. À puissance gardée de multinationales pays occidentaux. Donc on est que pour pays occidentaux aujourd'hui, on a le cas doit parler de BATX, c'est-à-dire de ces multinationales chinoises. C'est BA c'est pour Baidu, A c'est pour Alibaba, en BA c'est pour Alibaba, TA c'est pour Tencent, et puis XA c'est pour Xiaomi. En BA c'est tout qu'on est Xiaomi, Xiaomi sont. Et il fabrique un téléphone qui est le Redmi, parce qu'en Bilaï, c'est comme moi. Avec tout, il y a un ZTE, même si il n'y a pas de BATX. Pour gagner, on a le projet encore qui est Huawei, qui est le leader dans la technologie 5G. Et puis, non seulement on veut contrebalancer la puissance américaine, mais ça veut dire que la Chine, toute volonté chinoise, c'est pour prendre place américaine. Même si on a un ministre des Affaires étrangères, pays, qui est en pile à ce qu'on avait parlé de tout, c'est l'Iran. Côté que tout dernièrement, on a regardé une conférence que l'État a fait et la CAILI. Et puis, il dit que pour lui-même, nous voyons que le monde-là, son monde est en transition. Le ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui est Javad Zarif, comme ça peut se faire. Et bien, il dit que nous voyons son monde qui est en transition. Et en fait, il a regardé tout à l'heure, nous voyons vraiment son monde qui est en transition. C'est-à-dire que 20 ans avant, c'était les États-Unis qui étaient premiers. Japon est deuxième. Et je dis, ouais, Japon est deuxième encore. Ouais, c'est la Chine qui est deuxième, et puis Japon est troisième. Et puis, ouais, on parle de pays tout, ville censée, ville montée tout, pour gagner un pays dans l'Inde. Et puis, tout pays, ça va nous donner, et d'essayer de puissance mondiale, d'essayer de puissance qui est vraiment importante dans le monde. Eh bien, quelles conséquences ça a gagné? Surtout, monter la Chine. Monter la Chine, ça a gagné, bouleverser. Et mondialisation, ça que les États-Unis ont mis en place. Parce que, j'avais dit déjà, la Chine vient des multinationales
qui joue rôle de contrepoids. Il vient jouer rôle de contrepoids, à puissance multinationale américaine. Et bien, conséquence, ça vient produire une bataille d'artillerie hégémonie pour contrôler l'économie mondiale entre la Chine et les États-Unis. Même si les Américains ont venu avec argument comme si les Chinois n'ont pas respecté les droits et minorités musulmanes, les Ouïghours, ou bien les problèmes que la Chine a avec les Tibétains, avec Dalai Lama, Moanyo. Mais tout ça, nous avons comme des prétextes parce que bien depuis avant que les États-Unis aient investi dans un pays, toute communauté ça a toujours existé. Mais quand on dit Pékin, c'est toujours qu'on n'a pas de problème. Mais je dis à nous, nous devons tourner véritable pont de discorde entre l'Occident et la Chine. Avec ce que c'est aujourd'hui, nous devons savoir que nous devons garder plus de problèmes dans la relation qui existait entre la Chine et les États-Unis. Mais, puis à nous tomber, c'est surtout une bataille hégémonique. Ce n'est pas l'autre bataille qui est, mais son bataille hégémonique. C'est-à-dire qu'en démondialisation, pour nous terminer, on a dit qu'en démondialisation, il faut être capable d'offrir un travail. Et la Chine a réussi à faire ça. Ça veut dire qu'il a réussi à positionner comme pays et qu'il est capable de conquérir des marchés, parce que la mondialisation, c'est ça le niveau. Il faut qu'il conquérir les marchés. Et même la guerre qui fait, non, on n'a pas pensé que la guerre, c'est une véritable guerre qui fait pour question de droit de l'homme. Non. Les pays qui sont gagnants, ça a marché, ça a regardé pays vaincu. Marcher les pays, ça c'est censé couler. C'est là qu'on va les produire, il va la contrôler sur ce pays. C'est comme ça que tu trouves. Même pas dans quelle question, comme c'est pas parce que le droit de l'homme vraiment est au-delà de l'intérêt national. Le droit de l'homme n'est pas au-delà de ça. Et ça fait un capable de tout, nous avons tout enchaîné, comment on va poser la question, comment Haïti lui-même positionner dans la mondialisation. Bon, Haïti son pays sous-développé, Haïti n'est pas produit en rien. Et si on ne peut pas produire dans la mondialisation, on ne peut pas offrir rien dans la mondialisation. Bon, ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire comme si on dit la mondialisation, mais de préférence ou en marge de la mondialisation. C'est-à-dire que nous avons utilisé une théorie, surtout côté que plusieurs différents spécialistes en sciences humaines et sociales dans l'Amérique latine utilisent en ville, c'est le concept de la